الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا شيخ الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نسجي pour aujourd'hui et pour trois prochains vendredis qui peuvent venir, déjà quatre programmes en tout, c'est Mansin Qiyama. Plus précisément, ben grand signe Qiyama. Nous avons très bien hadith Jibril, c'est-à-dire hadith que Jibril alayhi salam, l'ici prend forme du monde, l'ici vingette le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'ici assise vis-à-vis Ali et il pose certaines bonnes questions, l'islam, l'iman, l'ihsan. Et ensuite, le jour Qiyama. L'État, il pose une question, le jour Qiyama, l'idéalité matassa'a, quand l'heure peut arriver, c'est-à-dire quand le jour Qiyama peut arriver. Matassa'a. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui peut poser question, il n'a plus connaissance que celui qui peut être questionné. En d'autres mots, ni Jibril alayhi salam, ni le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas connu quand le jour Qiyama va arriver. L'Ala Jibril alayhi salam dit Akhbirni an alamatiha. Info-moi concernant ce bansin. C'est-à-dire, qui bansin qui annonce l'arrivée du jour Qiyama? Qui ban événement qui peut apparaître avant, juste avant l'arrivée du jour Qiyama, quand jour Qiyama prêt. En réalité, enfin en islam, c'est en islam, nous avons deux types de signes Qiyama. Premier, un petit signe. Deuxième, un grand signe. Qui veut dire un petit signe, qui veut dire un grand signe, qui a été signe, qui qualifie, qui va en savoir, fin de saint signe, et qui a été signe, qui va en savoir, fin de saint grand signe. Un petit signe, Qiyama, c'est une petite chose qui arrive dans la vie du monde, qui lui passe inaperçu. Il ne peut pas paraître comme une petite chose drôle. Il y a une affaire qui, dans la vie de tous les jours, peut arriver. Premier parmi sa mantissine, là, c'est naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt, sur l'apparition comme un prophète. Dans sunnat Allah, dans principe Allah, depuis qu'Allah ta'ala fin créer une sainte, depuis qu'une sainte peut vivre sur la terre, Allah ta'ala fin envoie de temps à autre avec tout mon peuple qui vient, Allah fin envoie un prophète. Donc, l'arrivée d'un prophète, il n'y a pas une affaire drôle, ça. Il y a une affaire normale. Quand il y a un petit signe Qiyama, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait connaître, c'est qu'il a boisson alcoolique pour faner partout. Zina pour faner partout. Un esclave ou de naissance sommet. En d'autres mots, selon une de mes interprétations que mon savant donné, c'est qu'il désobéissance pour les enfants vis-à-vis de parents, pour énorme. Pareil qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc ça, c'est un petit signe Qiyama, quelque chose qui peut arriver, doucement, doucement, il peut arriver, il passe inaperçu. Surtout quand nous développons l'indifférence vis-à-vis de ces petites choses-là, nous trouvons une affaire normale. Un grand signe Qiyama, c'est un événement extraordinaire, surnaturel, qui peut arriver, qui peut être remarquable. C'est un événement qui peut être remarquable. Et avec l'apparition de un grand signe, avec l'apparition de Man Gansi, l'apôtre Taouba pour fermer, Inch'Allah nous prendra un petit peu plus en détail dans, concernant l'apôtre Taouba, quand il pour fermer exactement. Nos sujets aujourd'hui, vendredi qui peut venir là, ils concernent Man Gansi Qiyama. Ils concernent Man Gansi Qiyama. Normalement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, dans la signification d'un hadith, quand jour Qiyama peut coûter atteindre 10 signes. Quand jour Qiyama peut coûter atteindre 10 signes. Premier là-dedans, c'est quand le soleil peut lever depuis l'ouest. Mais ça dit 10 que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné là, il n'y a aucun hadith
authentique qui mentionné dans l'autre qui s'avance là pour arriver. Pendant qu'un hadith qui mentionne l'autre qui normalement s'avance là pour arriver. Premier, telles affaires, premier, deuxième, telles affaires, troisième, telles affaires. Pena. Sauf que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui, bon, il y a un premier signe qui va arriver, c'est soleil pour lever des prix dans l'ouest. Et ça, si nous pourrons nous adresser dans ce jour qui nous va adresser, nous pourrons essayer de relier lui avec le signe qui a précédé lui, qui est avant lui. Dernier parmi les petits signes qiyama, c'est l'apparition de l'imam Mahdi. L'apparition de l'imam Mahdi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je ne vais pas prendre en détail l'imam Mahdi, parce qu'il n'est pas fait partie d'un grand signe qiyama. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait connaître qu'avec l'approche du jour qiyama, avec l'approche du jour Qiyama, prenant une personne qui appelle Muhammad ibn Abdullah, même nous avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les points descendants du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les pour faire son apparition côté Kaaba. Et quand il fait son apparition côté Kaaba, les bandimoun pour faire bayra avec lui pour prendre lui comme jet imam, comme jet amir, ben musulman, et les pour redresser la situation l'eau la terre, les pour répandre la justice, les pour répandre shariat Allah, après qu'il a terre fin englouti dans l'injustice, dans dominé, dans souffrance, dans la guerre, et ainsi de suite. Imam Mahdi, et à travers l'histoire, il y a plusieurs bandimoun qui déclarent, qui claiment qu'ils sont même Imam Mahdi. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a donné une description, un détail au Imam Mahdi qui est impossible pour un bandimoun de passer à côté avec Imam Mahdi. Mais c'est seulement ça qui est important. Ça qui est important concernant Imam Mahdi. Un de ban salaf, Imam al-Awza'i, rahimahullah, lui dit: quand Imam Mahdi paraît, même si tu sais ça dit mon là, Imam Mahdi, ferme-toi la porte, reste en dedans, et n'a pas sorti par suivre aussi longtemps qu'il y a masse musulmane pour l'accepter. Qui veut dire ça? Si tant il y a un dajjal, un menteur qui peut venir, qui peut clamer qu'il est Imam Mahdi, finira dans l'aine. Mirza Ghulam Ahmad Kadjani, finira même dans l'Arabie dans l'année 1979, un groupe bandimoun, qui si bandimoun, tu peux apprendre, bandimoun sérieux, bandimoun qui tient à dîner dans le jeu, je ne les ai embêtés par Shaitan, je ne gagne un parmi eux qui appelle effectivement Muhammad ibn Abdullah, je ne proclame lui comme Imam Mahdi, je ne fais bayra avec lui côté Kaaba, fin et na belle fitna pendant des semaines, Masjid al-Haram dans Makka, infirmé, fin et na coup de balle, na dimoun fin mot, jusqu'à qui sa fitna là fin enlevée. À cause ça qu'Imam al-Awza'i disait, quand la masse musulmane vient rassembler autour de lui comme Imam Mahdi, il est là, je t'accepte lui comme Imam Mahdi. Le temps Imam Mahdi peut régner sur la terre, durant son règne même, pour une apparition de Dajjal. Avant de nous rentrer en détail au Dajjal, qui fait nous commence par Dajjal, parce que Dajjal peut apparaître pendant qu'il, pour une dernière tissin qu'il Imam Mahdi pour la terre, là Dajjal peut apparaître. Avant que nous rentrons au Dajjal, il est important, frère en Islam, c'est en Islam, qui nous tous un des points, le comment est-ce qu'il nous bisa comprend mon texte, mon ayat Coran, mon hadith, comment nous bisa comprend ayat Coran, hadith, surtout en ce qui concerne l'aqida. Premièrement, nous pas comprendre un hadith ou bien un ayat Coran dans son isolation, non. Quand nous pécose, par exemple, concernant Dajjal, concernant Mansin Qiyama, quand nous pécose concernant Dajjal, il est important que nous prenions tout ayat Coran et tout hadith qui pécose concernant Dajjal, nous regroupons tout, les là nous étudions, nous tiennent conclusion, le Dajjal. Et non pas, nous prenons un hadith dans son isolation comme ça, non. Deuxièmement, nous avons une façon que nous comprenons, n'importe qui langage, il y a une compréhension métaphorique, nous servons un style métaphore, et une compréhension littérale. Qui veut dire métaphore? Par exemple, nous disons comme ça, là, nous préciser là, nous disons tel du monde dans un endroit là, nous disons un lion. Quand nous disons un lion, est-ce qu'il nous peut dire qu'il y a quatre pattes, il y a une griffe, il y a les dents, il y a un gros CV, il crie comme un lion? Non. Nous pouvons dire qu'il y a du monde qui est brave, il y a du monde dans l'endroit PLI, il y a la fosse, etc. Ça, nous disons un lion, ça me dit. Quand il paraît comme ça, tout sauver aller. Ça, c'est un langage métaphore.
Dans le Coran et dans le Hadith, il y a un langage qui est un langage arabe qui est un servi, et il y a une situation qui est métaphorique. Une métaphore. Mais à l'origine, tout ayat Coran et tout Hadith, nous comprenons dans ce sens littéral, à moins qu'il y ait une preuve qui peut montrer nous qui nous ici, dans ce sens métaphorique. Donc, comme ça même, pour ben si qiyama, nous comprenons ça ben texte là, ben ayat Coran, ben hadith là, dans ce sens littéral. À moins que nous gagnons une preuve, nous gagnons ayat Coran, nous gagnons hadith qui peut faire nous comprendre qu'ici, ici, il n'est pas dans ce sens littéral, mais il est dans ce sens métaphorique. Qui fait nous dire ça? Et là, beaucoup d'explications concernant ben si qiyama, qui par exemple, il fait Dajjal vient un système. Dajjal, c'est pas un système. Dajjal, c'est un humain. Dajjal, c'est un humain. Oui, et là, nous mode de vie qui peut aller, sa système qui dit monde peut vivre là, ben idéologie qui dit monde peut développer, il peut faciliter quand Dajjal pour sortir, il peut faciliter du monde pour accepter Dajjal. Il peut faciliter du monde pour venir me suivre de Dajjal. Ce système que le monde peut rentrer, matérialiste, peut n'avoir aucun respect pour une valeur morale. Immoralité peut venir moralité, moralité peut venir orierer. Tout ça, matraquage esprit qui peut dérouler là, il peut faciliter du monde quand Dajjal sortit pour suivre Dajjal. Il y a une bonne raison qui fait nous besoin apprendre concernant sa bonne fitna là, qui fait pour qu'il nous gagne protection contre ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin décrire Dajjal d'une telle façon, pareil comme il décrit Isa alayhi salam, pareil comme il décrit Gog et Magog, fin décrire d'une telle façon qui, si nous prenons la police qui travaille, fait un portrait robot, nous donne sa description là, nous donne nous portrait Dajjal, comment il est exactement. Qui fait? Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître que plus grand fitna, c'est fitna Dajjal. Plus grand fitna. Fitna Dajjal. Facilement, du monde pour embêter avec ça. Nous avons une description Dajjal qui fait hein, pour nous chercher protection avec Allah contre. Pour nous connaître quand il paraît lui-même Dajjal. Là, ça nous protège nous-mêmes contre lui. Ensuite, et là, une superstition concernant Dajjal. Par exemple, chaque fois qu'il nous prononce le mot Dajjal, il y a un maillon dans la scène qui est cassé. Alors, quand plus nous prononce Dajjal, sur la scène, il est cassé, il peut sortir. Alors qu'il n'est pas vrai. Au contraire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître quand Dajjal prépare sortir, ben imam le mimbar pour arrêter de cause concernant Dajjal. Tout le monde peut oublier Dajjal, là, il sortit. Ensuite, quatrièmement, il y a beaucoup de gens qui font une recherche. Qui recherche? Côte ça Dajjal était. Côte ça Dajjal était. Nous connaissons bien le hadith Tamim al-Dari, dans le hadith muslim. Quand un groupe de gens, je t'y fais un voyage au bateau, ensuite le bateau là, tu fais un naufrage, on a atterri à une île. L'eau salit là, je trouve Dajjal, je dialogue avec Dajjal. Donc, il y a un savant, un scientiste, même un savant de dîne, je t'essaie, je fais un calcul, je remarque qu'il y a un Dajjal, l'eau salit là, qui l'île salit là, c'est l'Angleterre, qui l'île c'est Madagascar. Il y a même une découverte qui l'île là, c'est Maurice. Et Dajjal, actuellement, il est en bas citadelle. Je vois. Quelque chose qui est vrai, ça. Hein? Enfin, pas vrai qu'il a déjà pas installé le nom. Il est vrai qu'il y a du monde. Tu peux faire ça d'Awa, là. Faire comme si tu dirais, nous apprendre qu'il a déjà de bon accueil. Qui nous fait? Qui nous fait, là? Ouais, ben, l'habitant de bon accueil, il brise les verdiers à la tapis. Qui nous fait? Quand tu es au stade, déjà que tu l'as, voir ça que tu l'as, qui vous fait? Hein? Pardon? Un affaire nous vient sire. À porte ma camadina, Dajjal prend pas tout. Je veux dire, même si pas dans mon accueil, il prend dans mon accueil. Ça nous vient sire, parce que l'Ansou sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître. Deuxièmement, faire comment dire vraiment Dajjal là, qui nous pourra pas faire? Nous apprenons que dans l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un djimoun qui, même Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pâtissait par lui-même Dajjal ou bien non. Omar radiallahu anhu tirait tout il y. Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait, Omar, laisse-le, si Dajjal, ça te va pour tout il y, si pas Dajjal, ça gaspillage tout il y. À aucun moment, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas dit, bon, nous quittons Madina, nous allons parce qu'il est périsse là. Ni l'indien, poussons-le au Madina parce qu'il est bien éloigné avec nous. Non.
Yan siya sa inlezimun kung sa mim. Sa siten, hindi ba hikma kifaya na sa evenement na, pufaya nou kone ki nou reaksyon reel visa ete vis-à-vis sa fitna kapel Dajjal. Dajjal, li konu kom el Mesih ou Dajjal. El Mesih ou Dajjal. El Mesih, li soti du verbe masaha yamsahu, ki ve diya, masaha frote, pas lami frote. Qui fait Dajjal est connu comme Al-Masih, et n'a plus jamais d'explication qui m'a dit savoir une donnée. Elle n'a pas d'explication qui m'a dit savoir une donnée parce qu'il peut voyager autour de la terre, comme si je dirais, il peut frotter la terre, il peut suivre la terre net. Deuxième, parce qu'elle ne se banalise même sourd, c'est-à-dire qu'il est aveugle. Elle n'a pas de raison qui fait, il est connu comme Al-Masih. Un autre dimon qui peut venir encore, Isa ibn Maryam, alayhi salam, le prophète Isa alayhi salam, il pourrait tourner. À la fin des temps, et lui aussi, il y a une grande série Qiyama qui nous veut étudier, Inch'Allah. Lui aussi, il est connu comme Al-Masih. Lui aussi, il est connu comme Al-Masih, qui dit que tu ne peux pas slammer le monde qui est malade pour d'un jeu de guérison. Dajjal, c'est ça. Dajjal veut dire quelque chose qui, quand par exemple, il y a sa livre là, quand une couvée lui, comme si dirait une faire un coup de Dajjal avec lui. Qui fait Dajjal, il gagne sa nom là. Et ben, arabe de servir le mot Dajjal pouvait dire un djimoun qui couvait la vérité. C'est-à-dire un djimoun qui cause menti. Un djimoun qui cause menti. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Inna fi ummati sab'atun wa ishruna kadhabuna Dajjaloun. Dans mon ummat, il y a 27, dans certaines riwayat 30, mentir et Dajjal. C'est-à-dire Dajjal, il servit pour celui qui fait la vérité, posté passe pour la vérité. C'est un demande qui travaille qui Dajjal pour faire. Il y a plusieurs hadiths que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui décrit Dajjal. Un parmi ces hadiths là, un hadith qui tourne dans Bukhari, Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ Dajjal, c'est un djimoun qui est assez gros. أَحْمَرٌ Les rouges. Qui veut dire ça? Un djimoun qui est rouge. Ben, arabe, je te servis cette expression-là, un djimoun rouge, pour décrire un djimoun qui est blanc. Remarquez, un djimoun qui est clair. Un djimoun qui est clair, souvent des fois, quand je fais un jeu, je une couleur rouge. Quand je triais beaucoup, je une couleur rouge. Quand je suis en couleur, je une couleur rouge. Et un teint rouge avec je. Donc, en arabe, je t'appelle un djimoun qui est clair, qui est bien blanc, ahmar. Parce qu'il y a souvent des fois, il y a un teint rouge avec lui. Donc, Dajjal, les bons du monde qui est bien gros, les rouges, Djadur Ross, ce CV pour boucler, et il peut y avoir beaucoup de CV. Awarul Ain, les poupons, un côté du CV pour trop clair. كأن عينه عنبة طافئة سليجي أن تدريجي لا تدروات لبسوتي كم تدريجي أن كمانجان غيزا كي بي لبو تبيران بي كي بي ديسا لني كمانجان لجي كي نسوتي بي تنبي لني أن لجي كي نرد دانو أن لجي كي نوفي أن غران غرو مثل ما لبا تروفي أفك سليجي لا قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن. Sa Dajjal là, Dimoun, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il donne juste l'exemple. Un Dimoun qui appelle Abdul Uzza ibn Qatan, il dit, get Abdul, je m'imagine Abdul Uzza ibn Qatan, lui-même qui lui ressemblait, lui-même qui plus ressemblait Dajjal. Ibn Omar radiallahu anhu, il dit, Inna Allah ta'ala laysa bi'awar. Allah ta'ala n'est pas bon. Ala, wa inna al-Masih al-Dajjar, a'awar al-ayn al-yumna, Masih al-Dajjal, il est bon dans ce lycée droit. C'est-à-dire que l'idée côté droite, il n'est pas trop clair. Dans notre hadith qui trouve dans Muslim, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit concernant Dajjal, Innahu shabun, c'est un jeune. Qatatun, ce CV bien bouclé, il a beaucoup de CV dans la tête et il est bouclé. Ainuhu tafiyatun, ce lycée des gros protubérants. Ka'anni ashbahu, ushabbihu bi Abdul Uzza ibn Qatan, comme s'il dirait, m'aurait fallu ressembler à Abdul Uzza ibn Qatan. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, écoute bien là, t'as l'air un peu amusé pour bien débouter dans ta description là, depuis, il y a plusieurs hadiths là. T'as l'air, on est donne-moi une description là, écoute, oui? Inch'Allah. Inna Masih al-Dajjal, certainement Masih al-Dajjal, rajulun qasirun, un djimoun qui court, afja'un, afja' veut dire un djimoun qui, comme si je dirais, un coup, il n'est pas réduit devant djimoun, il fait un djimoun qui a un choc. Ja'adun, ce CV bouclé, A'awarun, les boys, Matmousul Ain,
li moyen côté lycée li pas trouvé laysa binaib naib laysa binatiatin wala jahra li c'est là pas apprendre on y rentre fa in ulbisa alaykum fa'lamu anna rabbakum laysa bi'awar c'est une confusion quand d'aljalin sorti li vous présente lui même comme bon Dieu connaît qui je trouve li pas awar le hadith qui trouve dans Moussa l'imam Ahmed Abu Huraira radiallahu anhu l'idia concernant Dajjal fa innahu masih al-dalala li pour masih de l'égarement fa innahu a'war al-ayn sur un côté l'idia pour bon ajla al-jabha sur front pour bien l'âge arid al-nahar sur l'écou pour bien l'âge fihi duf'un li pour ena dans un côté l'idia un comme si dirait une bout de la peau qui ne poussait qui couvrait sa l'idia là. Dans l'autre hadith, qui disait nous dire qu'il n'a déjà pas trop clair là? Droite, bien bon. Dans l'autre hadith qui trouve dans Muslim, Hudhayfa radiallahu anhu dit Ad-Dajjal a'awar al-ayn al-yusra. Dajjal n'est pas pour trop clair dans l'idée côté gauche. L'eau s'offrant pour écrire Kafara. Séparément, Kaf, Fa avec Ra. Dans l'autre riwayat pour écrire Kafir. Pour écrire kafir, pas mal de séparer, mal de dans un seul, comme si c'était un seul mot. Right. Yakra'uhu kullu mu'min katibun wa ghayru katib. Sak mu'min, li yan timoun litere, quand j'ai li kon lia, ou bien yan timoun ki pa kon lia aussi, li pou kapav lia l'eau d'adjal sur front, in écrire kafir. Dans le hadith qui trouve dans Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ma bayna khalqi Adam ila qiyam as-sa'a khalqun akbar min ad-dajjal. Min ad-dajjal. Pas bien que Dajjal y a des gens qui coûtent, mais seulement malgré ça, il est bien gros. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit depuis qu'Allah fin crée Adam, jusqu'à jour qiyama, pas pour y a aucun démon qui plus grand qui Dajjal. Il ne peut pas dire pas. Mais un plus bâti, plus bien bâti que Dajjal. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit innahu la yuladu lahu Dajjal li pou stérile, li pa pou gagner enfant. Right. Regarde une petite description de Dajjal. En vitesse. Donne N, nous faire ça quand donne N là. Bonjour N. L'écoute, li bien gros. Une description de Dajjal. C'est beau, fini, déjà. On a même fait aujourd'hui, là. Ça, c'est ça. Hein? Alexandre, quand tu m'as dit, c'est toujours Dajjal. Non, Dajjal, lui, couleur blanc. Expression en rouge, ça veut dire, il est bien blanc, ça. Je sais, bouclé, bien bouclé encore, après. Sur front bien large, sur les coups bien large. Les bons, oui. Un lapo qui pousse l'eau sur un côté lisier. Après. Il n'est qu'un cafarol au sur front. Hein? Allez, en résumé. Dajjal, il y a un jeune, il y a un djimoun, ça, un humain. Il n'est pas même un descendant de Adam, alayhi salam. Il est jeune, il est bien clair, il est cool. Et il y a quelque chose qui nous rate. Afhaj. Afhaj veut dire, il y a des gens quand nous avons des gens qui peuvent marcher, je peux venir en face ou bien je peux aller, je tibia avec je mollet, il fait que je tiens une courbe. Il fait une courbe. Je dis, c'est un petit peu travers, il fait une courbe. Il y a déjà les bouts dans ce modèle-là. Ce CV bien bouclé, ce front avec ce licou bien large, ce lisier côté droite, les bons. Et sa lisière là, il n'est pas ni rentre dans ni sorti, ni bien, mais il paraît comme une lisière qui reste ouvert tout le temps, il est gros. Et l'eau se fond, il écrit kafara ou bien kafir. Tout musulman pour réciter ça, qu'il soit un musulman qui lettré ou bien illettré, il pourrait s'y lire. Et aussi, Dajjal pour stérile, il fait 15 enfants. Right. Nous disons qu'il est pour bon côté lisière droite. Vraiment. Dans le hadith, nous faisons mentionner dans le Sahih Muslim, nous disons qu'il a déjà, lorsque nous sommes en train de dire, côté lisier gauche, il n'est pas trop clair. Qui nous comprend là? Hein? Oui, il a délisé définitivement. C'est... Non, il y a pourtant, ça qui s'affreine, il y a l'extrêmement important qui fait, parce qu'il y a une nouvelle qui circulait, l'eau dans le réseau social. Et nous bizarre.
Peut-être dans l'avenir, nous capables de faire un programme là. Adab servi réseau social, WhatsApp, Facebook, Instagram, l'autre man. Adab qui nous besoin. Un enfant il né dans Israël avec un seul côté d'Israël, c'est Dajjal il paraît. Jamais Dajjal pour un seul d'Israël au front. Dajjal pour un dérigé. Mais c'est moi. Si nous disons que Dajjal est bon, oui. Qui veut dire du monde qui est bon, oui. Un côté d'Israël pas bon, mais un hadith peut dire côté droit, un hadith peut dire côté gauche. Qui nous fait là? Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il est avec. Mais tu as dit, tu as dit, bon. Ah, ouais. Tu fais pas ton retour dirigé. Hein? Là, elle disait côté gauche là, on lui dit, prenez la peau là où se disait, prenez côté la peau là, qui vous couvrez l'isé là net. S'il lève la peau là, il trouve l'isé là. Par contre, côté droite là, peine un oeil qui bousille, mais c'est mort. Il est déjà aveugle, il n'est pas trouvé, il est bon, il n'est pas trouvé dans sa, depuis sa lisée côté droite là. Est-ce qu'il est déjà actuellement, il est vivant, ou bien dans l'époque de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est déjà vivant? Nous pouvons étudier deux événements. Premier, dans l'époque de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un djimoun qui s'appelle Abdullah ibn Sayyad. Abdullah ibn Sayyad. Abdullah ibn Sayyad, dans l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas tiré d'Iman. Il vit dans l'époque de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il cause avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement, il n'est pas tiré d'Iman. Plus tard, après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il finit un vin d'un qui finit d'Iman, et il finit connu comme un bon musulman, ce garçon, Umar ibn Abdullah ibn Sayyad, c'est un des chefs de l'Iman tabi'in. Il fait un rapport hadith des ben sahaba, et là, un hadith qui nous a gagné, qui est sorti depuis Omar ibn Abdullah ibn Sayyad, et ça, ibn Sayyad, là, il fait un mot, ou bien il disparaît dans la guerre qui s'appelle Ayyam al-Hurra, quand Yazid, c'est calife dans l'État islamique, après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il prend sur l'armée de l'île de Madina, pendant plusieurs jours, il fait la guerre contre les habitants de Madina. Après ça, la guerre-là, maintenant, il ne plus trouve Ibn Sayyad. Ibn Sayyad, dans l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un adulte l'oli. Une fois Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a envie à écouter Ibn Sayyad pour le connaître. Qui lui peut dire Ibn Sayyad? Parce qu'Ibn Sayyad, il peut prétendre qu'il y a une révélation. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il prend un groupe d'un sahabi, un sahaba avec lui, parmi c'est Omar radiallahu an, l'incassait l'inal veille Ibn Sayyad. Ibn Sayyad, tu as quoi un enfant? Un enfant qui n'a pas encore vu une balire, mais normalement, il a connaissance, il appelle ça, il arrive à un âge de tamise, il est capable de différencier entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il allait écouter lui. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il tape sur la main. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam tape sur la main, l'élève nous sayyad, il guette, qui s'en a fait gozoli. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Atashhadu anni Rasulullah, est-ce qu'il doit tester qu'il m'a le messager d'Allah? Ibn Sayyad dit, Ashhadu annaka rasulul ummiyin. Me témoigner que toi, ton messager de man illettré, ici, il est en arabe. Toi, ton messager de man illettré. Ensuite, Ibn Sayyad dit avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Atashhadu anni rasulullah. Est-ce que toi, ton témoigner que moi, mon messager d'Allah? Ibn Sayyad dit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que toi, ton témoigner que moi, mon messager d'Allah? فرفضه رسول صلى الله عليه وسلم في غزوة لي وقال آمنت بالله وبرسوله من إيمان الله سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم قال لي فماذا ترى كتب تروفي ابن الصياد يأتيني صادق وكاذب مبين من révélation c'est-à-dire من جين بفين في واسواسا avec lui et là من nouvelle qui m'a gagné qui vrai et la bonne nouvelle qui m'a gagné qui fausse. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit khalata alayka al-amr, tu peux gagner confusion toi même là. Ben un des man stratégies qui ben din servi et ça même qui dans l'année 79, ça même qui est arrivé quand plusieurs dimoun ils reconnaissent un parmi qui lui-même Imam Mahdi, Shaytan il fait waswasa avec eux. Un des man stratégies qui Shaytan servi ben din servi, je devine je fais waswasa avec ça un dimoun. Dimoun là trop libre commence gagner. Et en passant, je connais dans Maurice, c'est un prophète. Dans Maurice, c'est un prophète. Le fait que c'est un programme, le Kajani divise en 8.
en 8 groupes. Huit, dans sa 8 groupes là, dès là-dedans, je te fondateur Maurice. Elle l'appelle Zafoul Ladouman, elle l'appelle Ozim, le respecté Rafré, il y a un prophète. Il prétend qu'il y a une révélation avec Allah. Il y en a même suivi, même dans le Pakistan. Comment il commence à croire qu'il y a une révélation, il trouve quelque chose qui peut arriver. Par exemple, ce Neve, en passant, ce Neve, il rentre dans l'islam, Neve la même qui ne nous beaucoup pas d'informations. Il dit, ce Neve, il peut ouvrir un business. Il dit, Neve, tu n'as pas ouvert son business, tu fais faillite. Ouvrir son business. Vraiment, quand Neve a ouvert un deuxième business, ça, il a fleuri. Donc, ben, Din vient faire waswas avec lui. Ça même qu'il arrive nous soyad. Din vient faire waswas avec lui. Demain, par exemple, tu as gagné des moutons. Vraiment, demain, il y a des moutons. Mais c'est bon, dis là, quand il y en a qui est vrai, il y en a qui est fausse. Demain, tu gagnes des moutons avec 300 mots. Il y a des moutons. Il y en a 300 mots la fausse. Ça se dit une stratégie pour égard du monde. Alors, Ibn Sayyad dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a une confusion. Après, il dit, Inni khabba'tu laka khabi'an. Je vais cacher quelque chose là. Qui est chose qui va cacher? Fakal Ibn Sayyad, huwa dukh. Dukh. Ibn Sayyad dit, tu peux cacher le mot dukh. Et en vérité, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans Révélation qui descend de l'Oli, Yawma ta'ti sama'u bidukhanim mubin. Yawma ta'ti sama'u bidukhanim mubin. L'indandis dans sa ayat, l'indandis le mot dukh. Il y a bidukhanim mubin. Yawma ta'ti sama'u bidukhanim mubin. L'indandis dukh. Qui fait? Longtemps, man djinn, tu me montes dans les ciels. Je t'écoute. Man l'autre qui, man ange peut dire un à l'autre. Ensuite, là, je descends, je viens de mettre mon sorcier sur la terre, je viens de répéter ça dans l'au-delà avec mon sorcier. Le temps révélation Coran, le temps Coran commence à descendre, Allah Ta'ala finit de mettre mon gardien au banc des ciels qui empêche mon djinn à l'écouter. Comment je deviens, je gagne un coup d'étoile filante. Alors, il n'est pas capable d'écouter bien, il t'en dit, il descend, il vient de dire, il dort, c'est tout. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'alaki Omar radiallahu anhi dit, da'ni ya Rasulallah adribu unukahu. Omar radiallahu anhi dit, laisse-moi ya Rasulallah beaucoup soliku. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, iyakun hu falan tusallit alayhi. Si vraiment Dajjal, ça t'es pas capable, fais-le noyer. Wa illam yakun hu fala khayra laka fi qatlihi. Si pas Dajjal, ça, fais donc un du bien pour toi, pour te coupler. Sanjimullah ibn Sayyad, un deuxième fois, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les types allongés. Les temps, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut coster avec lui, Ibn Sayyad, son maman, il trouve Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il crie lui. Il crie Ibn Sayyad, il fait lui connaître Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, si maman là, tu laisses moi coster, lui, tu finis connaître pas Dajjal ou bien non. Je veux dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, lui, pas donne une parole définitive, si pas ça, Ibn Sayyad, le Dajjal, ou bien, il pas Dajjal. Ban Sahaba, je te, et là, tu peux dire, lui-même Dajjal, et là, tu dis, Wallahi, lui-même Dajjal, et là, tu dis, non, Wallahi, il pas Dajjal. Tout ça là qui fait arriver, n'a qu'à dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pas de Dajjal, pas Dajjal, ça, ou bien Dajjal, ça. Non, juste pour faire nous comprendre qu'il tant qu'il Dajjal n'est pas encore sorti, il n'est pas représente un danger direct pour nous. Et d'ailleurs, nous vous trouvez qui va une protection qui nous vise à prendre nous contre Dajjal. Un sahabi qui appelle Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, il peut raconter qu'il y a une fois qu'il s'est fait Hajj ensemble avec Ibn Sayyad. Tu arrives à une place où tout le monde s'est fait reposé dans une place, tu résistes lui avec Ibn Sayyad. Ibn Sayyad, il prend un dîner, il a mené, il donne lui boire dîner. Abu Sa'id dit, je ne peux pas connaître si pas Dajjal, ça, il te donne moi de boire dîner, mais il tourne, il peut faire trop, ce dîner là, si il peut faire chauffement, je ne peux pas boire dîner. Ibn Sayyad, il met souvent quelque chose ensemble, souvent un sac, etc., ensemble avec Abu Sa'id. Abu Sa'id est tourné, si tu veux faire chaud, bien là-bas, on va l'embrasse, ça va te faire plus bon. Comme si je dirais, Abu Sa'id, Perod pousse-lui, si pas encore lui-même Dajjal. Et là, Ibn Sayyad dit à lui. Il finit qu'on est qu'Abu Sa'id peut penser qu'il est lui-même Dajjal. Et sa nouvelle-là, tu peux faire n'importe où dans ma dîne. Ibn Sayyad dit, tu connais, oh Abu Sa'id, mon envie de prendre la côte pendant 10 mois, si dans mon pétanque, je te dis, mon Dajjal.
Il dit, oh Abu Saïd, est-ce qu'il ne te pas connaît que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit dire qu'il est déjà un kafir, imam un musulman, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu finis mot, tu finis accepter l'islam, imam un musulman. Est-ce qu'il ne te pas connaît le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il est déjà pas pour rentrer dans Makkah, Madina, et moi, bon fait quitte Madina, je reste dans Madina, je vais faire Hajj dans Makkah. Et si tu pas connais Abu Saïd qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'il a déjà l'hystérie de avoir des enfants et tu trouves même quitte mes enfants depuis dans Madina mon père dans Makkah. Et si tu as encore quoi mon Dajjal? Mais quand Abu Saïd entend ça, Abu Saïd dit non, il n'est pas Dajjal ça. Abu Saïd dit mais seulement l'India moi une bonne cause qui moi je wallah je m'en. Quand il finit dire ça, Ibn Sayyad dit wallahi je connais Astéala Dajjal à côté. Je connais son maman, je connais son papa, je connais quand il saute. Et Abu Saïd dit, arrivé, oh Ibn Sayyad, que tu vous contentes même Dajjal, il dit, six amis, je vais garder sa sens pour venir Dajjal là, je vais pas te préfiser. Abu Saïd est un temps, il dit, bon, mais ça va, là, il y a Dajjal ça. Ça, c'est un événement qui est arrivé. Maintenant, mon savant, je ne présente mon argument pour montrer qu'Ibn Sayyad n'est pas Dajjal. Mais le fait là qui tient du monde, dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, il y a une confusion, est-ce qu'il est même Dajjal ou bien non, mais ça pas n'empêche pas de musulmans pour pratiquer l'islam, ça pas n'empêche pas de musulmans pour conquérir la terre, pour vivre de la vie normale. Qui fait, parce que Dajjal, quand on arrive sur l'air pour y sortir, et nous pour apprendre quand Dajjal sortit, qui nous vient. Deuxième événement, une fois, un du monde qui appelle Karim Oudari, un sahabi, le temps y arrive, ça n'est pas encore un sahaba, il n'est pas encore accepté l'islam. Il vient vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en compagnie d'une trentaine de du monde qui sont ensemble avec lui. Il dit, ya Rasulallah, nous faisons un voyage en mer, après un certain naufrage, nous allons loin de l'île. L'eau salit là, nous jouons des animaux, elle dit ça, ça. Les animaux là, si tu en lis poilu, nous ne pouvons pas connaître que ce devant, que ce derrière. Zani Olandia nous allons dans un monastère et il y a un dimoun qui peut envie qu'on soit là-bas. Le temps nous allons dans ce monastère là, nous trouvons un dimoun, jamais nous trouvons un dimoun aussi bien battu que ça, bien belle, lui enchaîné, enchaîné partout. Le là nous demandons dimoun là qui s'en là toi. Dimoun là dit, je vous connais concernant moi, je qui s'en là, je. Nous disons, nous avons un groupe d'hommes arabes. Dajjal une cause avec Banna, Lydia Banna. Et informe-moi concernant Ban Akhbirouni an Nakhli Baysan. Informe-moi concernant Ban Pietam qui est dans un endroit qui s'appelle Baysan. Baysan, c'est un endroit dans la Palestine. Un endroit dans la Palestine. Et c'est un endroit-là qui est réputé pour gagner le meilleur tam dans le monde. Meilleur tam dans le monde dans Baysan. Et Alhamdulillah, ça l'année la même, nous avons eu l'occasion pour morcer dans Baysan pendant 17 ans et demi. Pendant 17 ans et demi. Des côtés droite-gauche, végétam. C'est moi, bien sûr, c'est un juif qui prend le contrôle l'eau là. Et Dajjal peut dire, Akhbirouni an Nakhli Baysan, informe-moi concernant le végétam dans Baysan. T'as mis mettre avec mon compagnon, je dis, mais encore peut produire tam là-bas. Qui donne envie qu'on ait concernant le Nakhli de Baysan? Dajjal, est-ce qu'il y a encore peut gagner un tam? Je dis, oui, encore peut gagner un tam. Dajjal, il peut être gagner un tam dans Baysan encore. Quand un dimoun est à l'endroit de Baysan, un latéral est extrêmement fertile. Deuxième, sa quantité végétale qui est dans Baysan, sa quantité végétale, 17 ans et demi, roulé dans bis, tam végétale de côté. Plus 17 ans et demi, morcé, végétale de côté. Sa quantité végétale qui est dans là-bas, là, comment capable un jour de tam là? Effectivement, production tam peut diminuer dans Baysan, malgré qu'actuellement, il y a une nouvelle technologie pour faire plantation, mais cette production peut baisser. Ensuite, Lydia. Akhbirouni an Bouhaira Tabariya. Informe-moi concernant un lac qui s'appelle Tabariya. Et ce lac-là aussi, il trouve dans Baysan même, dans Palestine. Et là-bas aussi, nous avons l'occasion d'aller dans sa Bouhaira Tabariya. Maintenant, j'ai dit qu'on a envie de connaître concernant Tabariya. Il dit, est-ce qu'il y a encore de l'eau là-bas? Maintenant, j'ai dit, oui, il y a plein de l'eau. Il dit, c'est de l'eau pour finir, pour diminuer. Ensuite, il dit concernant un Bima il-Ain. De l'eau concernant la source qui est dans
Palestine même et ça là nous vont réussir aller ça la source là man escalier encore et encore dans de l'eau man du monde service ça pour faire jeu de plantation etc jeu de végétation man là une information là bas aussi ça pousser informe-moi concernant messager de man Oumeyye messager de man arabe. Un messager qui voulait vivre en arabe. Est-ce qu'il va en arabe, il commence la guerre au lit? Ben là, j'ai dit oui. Qui est arrivé? Il y a la guerre qui a gagné, il y a la guerre qui a gagné. Léala Dadja a dit, mais je suis prêt pour sortir. Si tout ça est arrivé, je suis prêt pour sortir. Ben là, il raconte ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait autre connaît qui lui-même, ça dit mon nom, Dadja. Donc, Dadja actuellement là, il est vivant, il est enchaîné. L'eau en l'île, qui dit Allah subhanahu wa ta'ala connaît côte saliété, et quand arrive l'air, Dajjal pour sortir. Si dans sa l'époque, Tamim ou Daring, après 1400 années de cela, Dajjal il dit, bon, prêt pour sortir, suite à un événement qui lui donne l'information, mais à cette époque, nous plie, si on trouve Dajjal, prêt pour sortir. Côte sa Dajjal pour sortir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui est dans Tirmidhi, Ad-Dajjal yakhruju min ardin bil mashriq yuqalu laha Khurasan. Dajjal pour faire sur l'apparition, il loin nil pas là, mais ça jour là, il est capable finir sortir au lit là sur l'apparition en tant que Dajjal, il pour faire dans la terre dans l'est qui appelle Khurasan, il y a une terre qui connue Khurasan. Et quand il pousse aussi, يخرج الدجال من يهودية أصبهان. الدجال بسوء طول من جيف دي أصبهان. معه 70,000 من اليهود. avec lui prenant 70,000 juifs qui poursuivent الدجال. quand il sortit, 70,000 juifs qui poursuivent. actuellement, Khorasan, Asbahan, etc. c'est ça même qu'on appelle l'Iran. une partie dans l'Iran. dans l'Iran, dans une grande ville de l'Iran comme Téhéran, Asfahan, etc. pas un droit, man sunni, pas un droit pour masjid. Mais il y a plusieurs man synagogues pour man juifs dans sa man langue. Ouais. Un hadith qui est connu comme hadith Fatima ibn Qais, radiallahu anha, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Dajjal peut dire, fa'akhruju, fa'asiru fil ard, fala ada'u qaryatan illa habattuha, bo bsoti, bo bo traverse dans le monde en entier, bo pas pour quitte aucun village excepté qui me prend là-dedans. Fi 40 layla, dans 48 me pour faire ça. Après nous pour comprendre 48 là qui était ça. Ghayra Makka wa Taiba, excepté Makka avec Taiba qui me pas capable, fa huma muharramatan ala kiltahuma. Lo sadde la villa pour une protection, kullama أردت أن أدخل واحدة منهما. À chaque fois que mon intention rentre dans un an de sali là, استقبلني ملك بيده السيف. Un ange qui m'ouvre vers moi, il peut empêcher moi d'entrer avec un épée. Et dans sa ben la rue, dans sa délai endroit là, et là tout ça que l'entrée dans sa ben endroit là, il y a un ange qui peut préserver sa ben endroit là. Et il y a quatre masjid. Dès l'endroit qui Dajjal va montrer, Makkah Madina. Il y a quatre masjid qui Dajjal va montrer. Il y a Masjid al-Haram dans Makkah, Masjid al-Nabawi dans Madina, Masjid al-Aqsa dans Masjid al-Aqsa dans Beit al-Muqaddas, Jérusalem, Palestine, et Masjid Tour, dans sa vallée qui appelle Tour, dans Sinaï. Dans sa vallée qui appelle Tour, côté Moussa alayhi salam, qui cause avec Allah subhanahu wa ta'ala, sa même vallée qui Allah fait siyama wa tini wa zaytoun, wa tour et sini. Montagne de Tour qui tourne dans Sinaï, là-bas aussi Dajjal va mourir. Qui est là qui vous suivez Dajjal? Je ne vais pas s'inviter sur là, qui est là qui vous suivez Dajjal? Beaucoup de gens qui vous suivent Dajjal, des bédouins et des madames. Bien sûr, le premier man qui vous suivez Dajjal, c'est des juifs. Les vous sortez même des juifs. Ensuite, des bédouins, parce que des bédouins, quelque chose qui est commun parmi eux, c'est l'ignorance. Et des madames, sans qu'ils ne offensent des serres, mais seulement. Livre qui, comment dire, madame, lui tentait plus avec Ban Fitna. Comment le truc que vous avez vu aujourd'hui? C'est Jomzi, là. Jomzi, c'est pour moi, c'est pour moi. De bon, c'est. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les causes concernant Fitna Dajjal. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les fait connaître qui. لأن أعلم بما مع الدجال منه
Je suis plus connecté avec Dajjal que Dajjal lui-même. Mahou nahrani yajriyan, avec lui il y a de la rivière qui peut couler. Ahaduhuma ra'yu al-'ayn ma'un abyad, un là-dedans. Nous trouvons comme si c'était un de l'eau claire qui peut couler. Wal akhar ra'yu al-'ayn narun tu'ajjaj. Deuxième là, c'est une la rivière qui comment dire diffé puis enflammé puis aller. Fa imma adrakanna ahadun, quand un parmi eux il trouve Dajjal avec ce de la rivière un de l'eau un diffé, falyatina an-nahr alladhi yarahu naran, qu'il y rentre dans la rivière diffé là, wal yughmid, qu'il y plonge dans la rivière diffé là, thumma liyata ra'suhu, qu'il y plonge sur la tête là-dedans, fayashrabu minhu, qu'il y boit dans la rivière diffé là, qu'il y met sur la tête du bois, fa innahu ma'un baridun, en vérité c'est la rivière diffé là, c'est un de l'eau qui frit. C'est un de l'eau qui frit. Dajjal, quand les prophètes demandent l'endroit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, concernant sa 40 jours là, yawmun ka sana, un premier jour là, les comment dire, un l'année, wa yawmun ka shahr, deuxième jour, les comment dire, un mois, wa yawmun ka jum'a, troisième jour, les comment dire, une semaine, wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum, ensuite là, ben les réseaux pour comment dire, ben jour qui nous peut vivre normal. Les pour voyager, comme si dirait, ben nias qui divan pécheur, je veux dire, rapide. Li vin avec un groupe du monde. Li invite Dieu. Manla croit dans lui. Et dans manla croit dans lui, il donne manla richesse, donne Dieu des animaux, la pluie tombée, végétation commence à pousser. Il y a avec un autre groupe du monde. Li invite Dieu, manla rejette lui, la famine frappe là au sein du monde là. Ce groupe du monde là, la famine frappe, la sécheresse frappe. Alors, dans à l'époque là, le gars d'Adjal qui allait dans le trésor, l'eau, diamant, perle, pour suivre lui, pareil comme un abeille. Un groupe abeille puis envolé, maintenant pour suivre lui. Il peut amener un jeune. Un peu de temps qui dit pour une, il peut amener un jeune. Il couple avec l'épée, en, ensuite il refait lui gagner la vie. Les bouvines avec Bandimoun, les bouvines un tel qui sont maman, son papa, une mauvaise. Est-ce que tu es content que tu trouves ton maman, ton papa? Surtout quand fait qu'il y a une maillette dans la case de Dimoun. Quand fait qu'il y a une maillette. Si. Dajjal vini s'allier là, il dit, ouais, tu vas te contenter de tout le monde là, il dit, ouais. Il fait des chaitons pour en forme sur maman, sur papa vini, et dans le monde là, tout ça, il dit, ouais, Dajjal, toi-même, nous robes, nous commençons à dos, toi. Dajjal, les temps, il vini avec sur la rivière, il fait sur la rivière de l'eau, du monde dans la sécheresse, du monde dans la peine, du monde peut souffrir, beaucoup du monde pour autre solution facile, je trotte dans la rivière de l'eau. En vérité, c'est différent l'enfer. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître quand Dajjal vini, choisir la rivière d'Ifé. Un parmi ben fitna qui Dajjal prenait en cours, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui tourne en Bukhari, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, هذا الرجل الذي يقتله الدجال من خيار الناس. C'est un jeunesse qui Dajjal pour dire là, un parmi les meilleurs du monde qui peut exister. يخرج الى الدجال من مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبغيز مدينه لبصوتي لواقع الدجال فيقول للدجال اشهد انك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه بتيمونيك تو ميم دجال كي رسول صلى الله عليه وسلم نو كونسيرنون توا فيقول الدجال دجال جي ارايت من قتلت هذا ثم احييته هل تشكون في الامر دجال du monde, il dit, ça c'est un goût là. Si je suis ensuite m'aurait donné la vie, est-ce qu'ils prennent qui doute au moins? Ben, je non. Faya koulon, là, ben, je non. Faya ktoulouhou, thumma yuhyihi. Les tuini ensuite, il refait gagner la vie. Faya koulou, ça c'est un il dit, wallahi, ma kuntu fika ashaddu basiratan minni l'yom, wallahi, mo pena plus certitude qui me tient que même Dajjal qui a zouti. Quand on finit, tu m'as un relèvement. Fayuridu Dajjal an yaktulahu, fala yusallat alay Dajjal pour tuini une deuxième fois, mais seulement, il n'est pas pour capable, Dajjal n'est pas pour capable tuini. Ça, c'est certain man fitna, quelqu'un man fitna qui Dajjal pour mener. Il paraît facile. Dajjal peut venir. Il peut amener la rivière d'Ifé, la rivière de l'eau, nous rentrons dans la rivière d'Ifé. Il peut amener Jordan, il peut amener l'enfer, nous rentrons dans l'enfer. Facile. Mais nous avons nos réactions aujourd'hui par rapport à man fitna qui peut dérouler autour de nous.
Nous faisons un test en nous-mêmes. Nous faisons un test en nous-mêmes. L'intérêt. L'eau n'a pas. Haram, pas haram. 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 Dis-moi, ni semaine, il y a deux mois et deux mois. Disons, bah, Khalil, puis on veut faire un développement dans ce business. Il a envie. Il veut un gâteau de main, il veut un ticket, un exemple. Il me manque un peu de finance. Il me manque un peu de finance. Mais moi, Khalil, qui fait pas prendre l'eau là-bas? Et ta l'eau haram, ta. Comment pas prendre l'eau? Mais aujourd'hui, je veux que tu sois là pour nous. Que tu sois là pour nous aujourd'hui. J'ai même là, il y a un grand cause là. J'ai donné la monnaie. Et tu connais quand même vraiment prendre l'eau. Mais dans décembre, on finira en bourse, lui. Voilà, du temps, on peut quitter l'eau billboard pour tout, on mettait loan, housing loan, c'est pas 1% l'intérêt, 2% l'intérêt, pour faire mon compte. Ça, au bout de moi, quand je dis, un petit maman, on a fait un travail, on a fini. Fitna. Fitna. Un joli film peut dérouler la télévision. Tout le monde peut faire ça, film là. Tout le monde peut faire ça, film là. Il peut casser tout le monde qui est là. Haram, même, t'as dit, tu peux faire un petit game. Moi, je dis, film là, après, fini, fini. Fitna. Si ça m'a simple, fitna là, nous pas dans une situation que tu peux torturer nous pour nous résoudre l'islam. Nous pas dans une situation que nous la vie en danger. Non, man simple petit fitna, man simple petit fléau, nous peut tomber là-dedans. Mais dis-moi quand nous peut trouver du monde qui peut accepter Dajjal, nous peut trouver lui peut faire succès sur la terre, nous peut trouver ce végétation beaucoup, ce man animaux beaucoup, lui peut gagner richesse, il peut gagner trésor. Nous résoudre Dajjal, nous peut pas se miser. Ok, tu venais qu'à arriver, nous nous disons, ouais, après nous faisons au bas, après nous faisons au bas, la même pièce là, là. Parce qu'il rentre dans la rivière de l'eau, en vérité, il rentre dans, l'enfer. Mais qu'est-ce que c'est un jeune là, lui, il apprend, lui, Zenes là. Mais dans les troupes d'Adjal, il fait ce manfit, là, il me connaît, il aime d'Adjal. Avec courage, il me sortit depuis dans Madina, il a dit, on apporte Madina, j'ai d'Adjal. Wallah, il te aime d'Adjal là, ça. D'Adjal, j'ai dit, tu es venu, on va faire rien à la vie, est-ce qu'ils ont beaucoup de moi? Il a dit, ouais. Mais dans les tuyaux, c'est ça, il t'en répond la vie, il dit, oh là, qui m'a peiné aucun doute à ce terme, plaisir, qui t'a même Dajjal. Donc c'est la connaissance concernant Dajjal qui vous permet d'un du monde, reste avec sa fitna. Ben, c'est une solution qui vous fait nous gagner protection contre Dajjal. Premier, attamas sur l'islam. Nous bisons, tini ferme avec l'islam. Faudrait que quand Dajjal sorti, nous donne une position qui nous iman faux. Parce que si nous iman faible, qui vient du monde désobéir à Allah, qui vient du monde galop de Yaman qui chose haram, faiblesse de iman. Donc nous bisons à tout moment, vient un musulman qui soit iman faux, afin qu'il confite dans la parade, nous capables tini ferme l'eau, iman. Ensuite, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finance nous dans plusieurs places pour prêcher cette protection contre Dajjal, par exemple dans Namaz. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa min adhabi al-qabr, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, wa min fitnati al-masih al-dajjal. Avant faire salam, faire cette protection contre Dajjal. Et ça, cette chose-là, lien important qui nous enseigne aux bons enfants aussi, pour cette cherche protection contre Dajjal. Non seulement nous enseignons cette cherche protection contre Dajjal, mais nous montrons, nous expliquons qui était Dajjal. Qui m'a un signe, qui m'a une caractéristique, qui m'a un attribut de Dajjal, afin que quand ça m'a une finale, soit je te connais et je te cherche protection avec Allah contre ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: Man hafidha 10 ayat min awwal surat al-kahf, usima min ad-Dajjal. C'est lui qui mémorise 10 premières ayats dans l'autre ayat, 10 dernières ayats dans Surah Kahf, Allah protège dit contre fitna Dajjal. Donc nous faisons des efforts d'apprendre ce même ayat là afin qu'il nous gagne protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre Dajjal. Ensuite, connais que Dajjal prend dans n'importe quel endroit, porte Makkah et Madina. Donc nous faisons des efforts nous pour aller rester dans ma cave, pour rester dans ma dina. Mais seulement 10 restes dans ma cave, ma dina, pas suffit qu'il fait. Quand je dis Kiyama pour que c'est Kahaman Fitnana, je vais parler de ma dina pour trembler. Quand ma dina tremble, qui arrive? Man mounafik pour sortir. Man mounafik pour sortir dans ma dina pour aller. Ma dina pour trembler, pour quand je dirais trembler, qui pour nettoyer. Man mounafik pour sortir dans ma dina pour aller. 10 man du monde qui n'a iman qui reste dans ma dina.
Donc nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui fait nous gagner encore plus connaissance concernant Dajjal, qui Allah ta'ala protège nous contre sa fitna, protège nos enfants contre fitna du Dajjal, et que Allah subhanahu wa ta'ala guide nous pour qu'on mette en pratique ce qui nous peut apprendre. Jazakum Allahu khayran. Inch'Allah la semaine prochaine nous continuons avec ma lèche de Tsin Qiyama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.